7h29. Dans une minute, on réveille les jeunes. Ils pensent partir en vacances, mais en fait, pas du tout. Les vacances, c'est moi. Mais je vous garantis qu'avec moi, on va passer de bonnes vacances, mais à Niort, on reste sur place. Il y a plein d'activités qui arrivent. Je vous dis pas tout de suite. Premier rendez-vous, le réveil. Go. Ah, là. Bonjour. C'est en France. On se réveille tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Choqué? Choqué pourquoi? Est-ce qu'il est tôt? Alors? C'est dur hein, le matin. Hein. Non, mais je t'y attendais pas du tout. Bien sûr, là, c'est normal, tu t'y attendais pas. Bonjour, bonjour, on réveille. Il est l'heure. C'est les vacances. On part en vacances. On part en vacances aujourd'hui. Comment ça va? Ça va. Choqué? Pourquoi? Ouais, c'est bon. Bonjour, jeune homme. Ça va? Soyez vous-même. Vous me connaissez. Quand ça va pas, on parle. Et quand ça va, on parle. Oui. Bref, on parle. Ah, oui. Ok? Oui. Ça commence bien, c'est bien. Mon prénom, c'est Pascal. Je m'appelle Pascal Paché. Ouais. Okay. Comment je m'appelle déjà? Hein? Comment je m'appelle? Pascal. T'as vu, vous avez choisi chacun des cartes individuellement. On se rend compte que ces cartes-là servent à tout le monde. On sait là qu'on a tous un point commun. Et qu'on veut simplement un petit peu de bonheur. Si on peut en donner cette offre, on a besoin d'en recevoir et de savoir qui on est. Si on peut répondre à ces quatre questions, c'est top. Mais il en manque une. Laquelle? À votre avis. Il y a un chanteur qui chantait une chanson qui s'appelle Christophe Maé. Si vous connaissez Christophe Maé ou pas? Le bonheur. Merci madame. Quand il dit il est où le bonheur, il est où? Il est là. Voilà. Parfois il y a des chansons qui sont assez révélatrices. On les écoute et ça nous parle. Il y a des chansons qui vont nous rendre tristes, il y a des chansons qui vont nous donner la pêche. Il y a des chansons qui vont nous exciter, on va faire n'importe quoi, on va danser, on va sauter dans tous les sens. Puis il y en a d'autres, on va se réfugier sous une couverture et on va se mettre à pleurer. Parce que ça fait partie des émotions. Et vos émotions, il ne faut pas forcément tout le temps les contrôler. Des fois, quand tu as besoin de crier, crie. Mais t'explique pourquoi tu cries. Et quand ça ne va pas, vous avez des gens autour de vous. Et n'oubliez pas que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous. Qui sont là pour votre bien. Ok ? Ça, faut surtout pas l'oublier. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ? Non. T'es sûr, toi ? Non. T'as tout compris ? Oui. On est toujours à la campagne avec les jeunes. Et 9h30, tout le monde était opérationnel au petit-déj, donc jusque-là, rien à dire. Donc ce matin, on va travailler sur leur capacité de pouvoir vider leur sac, de lâcher prise, le fameux lâcher prise, où je vais symboliser leur douleur par des citrouilles dans une brouette, ou sinon des cailloux dans un sac. Et ensuite, des petits jeux de cohésion. Et pour finir la matinée en beauté, enfin cet après-midi surtout, boxe, on va les faire cracher un petit peu leur venin. Donc je vais me mettre dans la peau des personnes qui les ont un peu embêtés. Je prends le rôle d'un beau-père, le rôle d'un papa, le rôle d'une personne qui les a plus ou moins maltraités. Je vais, comme je fais à chaque fois, je vais mettre dans son roi. C'est un rôle qui est compliqué, hein, parce que je ne suis pas leur ennemi. Mais le but, c'est de leur faire sortir ce qu'ils ont dans le ventre. On verra si certains ou certaines vont se lâcher un petit peu. Voilà, le programme de la journée. Donc là, avec Alex, on ne filme pas parce que c'est dans l'intimité. Et là, Pascal, en fait, il prend les jeunes un par un pour leur parler de leur vie, de leurs moments durs dans leur vie.
Donc ils sont en intimité, nous on les suit pour vous filmer, mais par rapport au respect, ils sont là en train de parler tout seul. Et il va les prendre un par un. Donc là il a pris déjà une jeune et, qui s'appelle Morgane, et là après il va prendre les jeunes, les autres un par un. Avec Ital, on apprend des choses, hein. Donc, les enfants parlent bien, c'est plutôt cool, on respecte, ils font confiance, donc ils se lâchent. J'apprends des choses. On a parlé de certaines situations, il y a eu une situation ce matin un peu délicate que j'ai pas forcément appréciée, mais j'en parlerai à Isa, parce qu'il y a un truc ce matin et je peux pas laisser passer ça, pas possible. Et d'ailleurs la gamine en a gros sur la patate. Symboliquement, on a pris une citrouille, parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Et la citrouille, là, elle a éclaté. Et à l'intérieur de cette citrouille, on a mis symboliquement des noms. Des noms de personnes qui lui ont fait du mal, d'autres qui l'ont... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. Mais symboliquement, en fait, ce que je vois, c'est que la citrouille pourrisse. Donc il faut que personne n'y touche. Et puis, peut-être que l'état, je lui dis, écoute, tu viendras voir tous les jours un petit peu l'état de la citrouille. Et ça va être l'état des gens, symboliquement, que tu as mis dedans. Donc ces gens-là, en fait, sont en train de pourrir. Parce qu'ils pourrissent, ils ont pourri ton passé. Et j'ai pas envie qu'ils pourrissent ton avenir. Donc voilà, le passé, il est là-bas. Symboliquement, encore une fois, parce que vous allez me dire, oui, bon, dans une citrouille, je connais les gens. Hein. Mais c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire. C'est comme le sac à dos avec les pierres, hein, où je dépose ma croix, qui est lourde à porter. On en a tous une à porter. Et l'idée, c'est de se dire, allez, maintenant, c'est bon, il faut que j'avance, il faut que j'arrête de vivre avec mon passé, parce que mon passé me détruit. Et mon avenir, on n'y pense pas. Voilà, symbolique de ce genre d'exercice. Que vous pouvez reprendre chez vous, mais par contre attention, il faut employer les bons termes, il faut se renseigner sur la personne avec laquelle vous voulez faire ça, il faut être assez objectif, ne pas être insultant, ne pas être rabaissant, employer les mots justes, taquiner et appuyer sur les bons boutons. Ça c'est ce que je sais faire le mieux, hein, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de moi, mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est un exercice qu'on peut reprendre, mais attention. Bon, on est à Sainte, notre salle de boxe mythique de la ville de Sainte, qui existe depuis maintenant 12 ans. Donc, il y a eu plein de champions qui sont passés ici. Et puis, j'aime bien l'atmosphère de la boxe parce qu'il y a des odeurs très particulières que les jeunes ne connaissent pas. L'odeur de la sueur, l'odeur du sang. Ouais, cette odeur, elle est là. Donc, ça me rappelle moi quand je boxais dans ma salle de boxe où j'habitais avant. Donc, aujourd'hui, donc on a une discussion tous les deux, on va avoir une discussion probablement tout à l'heure. Aujourd'hui, on va utiliser tout ce matériel-là, tu vois, justement pour parler des choses bien précises que je vais mettre à la place des personnes qui vous ont fait un système de mal. Ok ? Je vais vous taquiner, je vais pas vous faire mal. Vous pourrez me mettre des coups. Ok ? On travaillera qu'avec les bras. On ne mettra pas de coups de pied. Je pense que vous ne maîtrisez pas forcément les coups de pied. Et puis, je vais vous bousculer, je vais vous embêter, je vais vous taquiner jusqu'à ce que ça sorte. Ok ? Tant que ça ne sort pas, on ne sort pas d'ici. Et si vous trichez, on ne sort pas d'ici. Si vous mentez, on ne sort pas d'ici. Donc on peut rester ici jusqu'à fermeture, jusqu'à 22, 23 heures s'il faut. Ok ? Ça dépend que de vous. D'accord ? Donc on ira sur le ring. On va faire une personne sur le ring, les autres se prennent à l'écart, assez loin. Ok ? Parce que je ne veux pas forcément que vous entendiez ce qu'on va dire, même si on va forcément entendre un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir ce que vous avez dans les tripes. Ok ? Pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous pleurez souvent? Pourquoi vous êtes en colère? Donc on va faire sortir la colère. Ok? Donc je vais forcément parler des gens qui vous ont fait du mal. Forcément. Pas le choix. Ok? Et ces choses-là, au niveau de ce que je veux dire, on coupera, on mettra de la musique s'il faut. Oui, vous inquiétez. Mais personne n'entendra ce que je veux dire, ça restera entre nous. Il n'y a que nous. De toute façon, vous connaissez toutes vos histoires déjà, plus ou moins. Je ne sais pas si vous parlez bien entre vous. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Ok, vous avez compris tout. Ça marche? Qui veut commencer en premier? Toi? Ok, super.
pareil. Tu vois, t'es capable. T'as réussi à me maintenir ici plus de 20 secondes. Ça, cette notion-là, tu ne l'avais pas. Que je t'ai pas dit qu'il fallait que tu me retiennes 20 secondes. Sauf que moi, je comptais. 1, 2. Tiffen. Alors, il y a eu. Il y a eu du gant, parce que c'est quand même bien de le faire. Et puis, il y a eu. Une autre façon de travailler, ce que je démontre peu à l'écran, c'est je dois toucher un objet ou un miroir, là il y avait un miroir entre autres, et elle devait faire barrage. Et c'était pour lui faire comprendre qu'elle doit se concentrer sur elle-même, qu'elle arrête d'être diffuse. C'est-à-dire, on lui parle, elle écoute, mais elle a oublié l'objectif. C'est pour ça que j'ai pu la voir 10 fois. Et au bout de la 9e fois, elle a commencé à se réveiller, et a commencé à m'attraper, à m'empêcher d'avancer. En plus, c'est une judoka. Donc moi j'attendais que ça, qu'elle me mette au sol. Et ce que j'avais pas donné comme notion, c'est qu'elle devait m'empêcher d'avancer pendant 20 secondes. Et ça, elle ne le savait pas. Et le dernier exercice, elle a réussi. Elle a même dépassé les 20 secondes. Et je lui ai dit, bah voilà, t'as réussi. Donc pour elle, c'était une victoire. Il faut mettre les gens en échec. Mais il faut surtout qu'ils puissent apprendre à réussir par eux-mêmes. Donc l'idée, pour elle, c'était de lui dire qu'elle est capable de réussir par elle-même. Il faut qu'elle arrête d'écouter les gens. Il faut qu'elle arrête de se laisser influencer. Donc, Tiffen, s'il te plaît. On en a parlé maintes et maintes fois. Arrête de te laisser influencer. On a parlé de tes lunettes. C'est pas pour rien. Ok, tu t'es fait influencer. C'est pour ça qu'on ne croit pas que tu fais ton âge, entre autres, dans ta façon d'être. Donc, tu as un objectif. Fais ce qu'il faut pour l'atteindre. Et il va falloir travailler. Tu n'as pas le choix. Mais montre à tous ceux qui ne croient pas en toi qu'ils se trompent. Bah, juste ça. Ok, ciao. À mon papa. Ah, vas-y. Pourquoi tu penses à lui ? Parce que quoi ? Parce que j'ai de la peine. Ah, vas-y, montre. T'as de la peine comment ? Fort, fort, fort ? Oui. Alors montre-moi. Non, plus fort. Voilà, t'as beaucoup de peine ? Vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ton papa ? S'il était là. Imagine, il est là. Tu veux lui dire quoi ? Que je lui aime. Ah, vas-y. Tu dis papa, je t'aime fort. Papa, je t'aime fort. Fort comme un grand coup de poing, vas-y, fort. Papa, je t'aime fort. Voilà. Ah, pourquoi tu veux pas le voir souvent ? Il est où ton papa ? Il est où ? Il est au ciel. Tu penses qu'il te regarde de là-haut ? Ouais ? Oui. Tu penses qu'il te regarde ? Tu penses qu'il te voit ? Oui. Et s'il te voit ? Et que tu fais des bêtises. Tu penses qu'il va être fier de toi ? Voilà ! Alors tu vas me faire une promesse. Tu vas me promettre à moi. Oui. Ok ? De ne plus faire de bêtises ? Oui. Oui ? Je ne ferai plus de bêtises. Dis-moi, je promets. Je promets de faire plus de bêtises. Vas-y ! Ah, le petit polo, pas évident, vous avez vu, hein. Mais il faut employer une autre pédagogie. Il faut essayer vraiment de comprendre ce qu'il dit, comme ça lui évite de répéter. Et comme ça, ils se sentent pas inférieurs aux autres. Bon, bah, il y a la douleur, elle est là, hein. Voilà, le papa, voilà, il a entendu, il l'a crié, hein, sur tous les toits. La maman aussi. Et surtout, je vais faire comprendre. Donc, Paul, je m'adresse à toi. Je veux plus que tu frappes les grands. Plus jamais. Parce que 1, c'est pas gentil. 2, c'est pas correct. Et 3, c'est pas respectueux. Donc, et tu m'as dit que tu me faisais confiance. Donc, j'espère que je peux te faire confiance et que tu continues tes efforts. En tout cas, t'es un petit bonhomme comme ça. Franchement, t'es un petit bonhomme comme ça. Donc, s'il te plaît, ne change pas. Reste celui que j'ai vu là aujourd'hui. Reste comme tu es aujourd'hui. Fais-moi plaisir. Et fais plaisir à tout le monde, ok ? Je te fais des gros bisous, bonhomme. Ciao. Concernant l'Italie.
C'est quelqu'un qui parle très facilement, donc c'est facile. Et non, très intéressant. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qui s'est passé ce matin, qu'elle n'a pas apprécié du tout, mais ça, j'irai voir Isa pour lui en parler. Il faut être franc, il faut dire les choses. Il y a son frère, la problématique de son frère, qui n'a pas été cool. Non, j'ai pas voulu la faire frapper, parce que c'était pas nécessaire. Comme je savais qu'elle parlait très facilement. Donc je l'ai vraiment embêté, en fait. J'essaie de remettre des situations qu'elle a vécues. Avec les frites. Avec le fait que je la bouscule, que je la fasse reculer, que je l'écrase. Parce que tous les adultes qu'elle a rencontrés aujourd'hui l'ont écrasé. Donc j'ai reproduit le même schéma, tout simplement. Et elle a compris que c'était un exercice, que c'était pas contre elle. Et là, sur la fin, elle m'a dit clairement « Ah, ça me fait du bien. » Et elle devait aller voir un psy. Et je crois que finalement, elle va pas y aller. Parce que vraiment, elle a bien vidé son sac. Et ce boulot que j'ai fait avec elle, je dis pas que les psys sont pas capables, attention, hein, ce ne sont pas mes propos. Mais je dis que ça aurait pris beaucoup plus de temps, plus de rendez-vous, plus de discussions pour déclencher les trucs. Là, on a gagné 5 séances. Vital. Sache une chose, c'est que tout ce qu'on a fait là, c'est pas pour rien. Ok ? Je sens que tu es quelqu'un qui a un grand cœur, que tu veux vraiment aider les autres. Lance-toi dans ce que tu veux faire. Travailler avec les enfants. Je pense que tu peux être très doué, vraiment. Et tu peux vite te faire apprécier par les petits, parce que les grands t'ont montré... que le sale côté. Donc montre aux petits qu'il y a des gens bien et lance-toi dans ce que tu veux faire, le CAP petite enfance. Je pense que c'est ton truc. Je ne te vois pas dans un EHPAD pour travailler avec les personnes âgées. Je pense que tu n'es pas faite pour ça, c'est évident. Donc c'est dommage que les profs t'aient mal aiguillé, que le conseiller d'orientation t'ait aiguillé dans un truc qui ne te plaît pas. Et c'est souvent ce qui se passe, très souvent. Les CPE ou je ne sais pas qui, là, je sais pas comment on les appelle maintenant. Et arrêtez de nous diriger dans un métier que vous voulez vous-même nous faire faire et de ne pas écouter nos besoins et nos envies. Ok ? Donc quand il y a un gamin qui vous parle, je veux faire la petite enfance, on l'envoie dans la petite enfance et c'est se plante, c'est son problème, c'est son choix. Alors que là, c'est pas son choix, elle est dans un métier qui ne l'intéresse pas, ça ne lui plaît pas et elle a perdu du temps. Donc pas très cool pour ça. Donc revoyez votre copie s'il vous plaît, merci. Ciao. Et moi je voulais féliciter parce que je pensais pas du tout arriver dans une structure telle que celle-ci déjà. J'étais agréablement surpris. Et pourtant, des lieux, j'en ai visité. On peut pas dire, je t'assure. Et on peut pas dire qu'ils soient mal logés. Non. Pour que chacun ait leur petit studio, leur petite autonomie. Franchement, ce que t'as monté là, c'est juste, c'est ouf. Je crois que tu te rends pas compte de ce que t'as mis en place. C'est grandiose. Et les gamins qui sont là, je pense qu'ils mesurent pas la chance qu'ils ont. Je vais pas te faire pleurer, j'espère. Et ça va. Ça va. Je t'avais dit que tout le monde allait pleurer. Les amis, voilà. Grosse journée, journée d'émotion, journée de craquage pour tout le monde. C'est très positif. En tout cas, j'espère que ça va leur servir plus tard à aller mieux. Donc, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous aider et pour vous dépasser. Croyez en vous. Ciao. Merci tout le monde, n'oubliez pas, voilà, il y a toujours des éducateurs qui sont là pour aider les jeunes. Des jeunes bien. Merci à toute l'équipe. On va pas les citer, mais on mettra ici une baseline, donc avec le nom de tout le monde. Et puis on va rappeler que tout ça, bah, voilà, on le fait avec le cœur et rien d'autre. Bisous à tous, à très bientôt, ciao.